أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Nous sommes aujourd'hui en direct du souk Jubail. Donc c'est un souk, c'est plutôt une ferme. C'est ici qu'on achète les bêtes pour l'Aïd. Aujourd'hui, nous allons un peu découvrir en fait les diversités, les types de bêtes qu'on a ici, ainsi que les prix, les pays dans lesquels, viennent ces bêtes. On a des bêtes qui viennent de Syrie, Souria, Saoudia, Pakistan, Inde, Cachemire. On a vraiment un peu de partout, hein, Hindi et tout ça. Et donc les prix varient, hein. Et les prix varient, hein. Wa Emirati aidan, on a aussi des bêtes qui viennent des Émirats, hein. On a des bêtes qui viennent des Émirats. Ma anwa hada al kabsh. Anwa. Ismaha bas Saudi, Souri. Souri name. Saudi name walakin min Souri. Eh, mal Souri. Okay. Kam taqriban kilo hada wahed kabir yani. Fouq 40 kilo kabir mal hadi. Fouq 40 kilo. 40 kilo. Sabilaham. Donc c'est des moutons d'en moyenne de 40 kilos qui viennent de Souria, ok, de Syrie. Name Isma Adal. Naimi. Nouaimi, Nouaimi. Donc ça c'est un mouton qu'on appelle Nouaimi. Ou al-Ashar min Kamila. Kamila. Price min Kamila. Price. Moukhtalab ma wahad. Fi al min. Donc ça va de 1500 jusqu'à 4000 dirhams selon la qualité du mouton. Donc là, on a aussi des chameaux. On a des chameaux, voilà ici. Had el jamal min ay balad? Min ay min Emirat hada? OK. Donc là c'est des chameaux des Émirats. Maloud. Oud. Ah, chameau Oud. Oud. Ok. Donc on a aussi ceux qui veulent sacrifier des... qui veulent sacrifier un bœuf. Donc il y a aussi ça. Wa kam ada min al-ashar? Kam huna? 7000. Donc ici on en a pour 7000 dirhams. Hein. Ceux qui veulent sacrifier un bœuf, 7000 dirhams à peu près. Wa hunak jamal 5000. Et donc il m'a dit ici il y en a pour 5000 dirhams. Voilà. 5000 dirhams un chameau des Émirats. Voilà. Donc voilà ici dans ce souk on a vraiment de toutes les sortes, hein. En fait ceux qui veulent faire sacrifier une grosse bête, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des bêtes de 40 kilos. Il y a des chèvres, il y a des bœufs, il y a des chameaux. Donc voilà. Hada ma ismu hada? Ismu hada min ay balad hada? Ah, mal Émirat. Émirat. Ok, donc ça c'est Émirat. Ça vient des Émirats, Émirati. Ou hada min ay balad? Émirat, Naimi. Naimi. Ah, c'est un peu le nafs chez honak, Naimi. Wa kam min al-ashar kam taqriban? Hada 750. 750? Naam. Hada 800. 800 fi. Ok, donc là c'est un autre type de Nouaimi, il y en a pour 750 dirhams ou 800 dirhams. Ou hada kam taqriban? 600, 700, 500. Mashallah. Wa kin lahm mazbout. Mashallah, mashallah. Wahed. OK, voilà. Ada marat local. Ada local wa ada nu'amiya. Ada Souria, Souria ada? Souria? Ada Souria. Ada Bakara. Bakara Souria. Oh, OK, d'accord. Ada kabir jiddan. Shu hada? Ada ada min ay balad ada? Ada Pakistan. Tes smah? La la, ma fi huruf. Ma fi huruf. Tes. Tes. Ah.
غنم سبحان الله. وكم كيلو رايجي؟ هذه في 50 كيلو، في 60 كيلو، في 80 كيلو، في 35 كيلو، في 30 كيلو، في 20 كيلو، كله في. ولكن الكبير مثل هذه بفالو، مثل بفالو كم كيلو يجي؟ اي واحد هذا تعرف هذا احمد؟ لا ابيض احمد. هذا اخر نعم آخر كم يجي؟ نعم آخر يجي 50 كيلو إن شاء الله. 50 كيلو نعم. وكم يجي نقود؟ هذا يجي 2500. 2500 نعم ما شاء الله. سبحان الله. وهذا هناك مثل بف مثل هذا؟ نعم هذا هذا يجي هذا يجي 80 كيلو 70 كيلو إن شاء الله. نعم. وبرايس؟ برايس هذا مال سعودي. سعودي هذا مال سعودي. هذا شويه فلوس زياده. هذا 5500. 5000 سبحان الله. هذا مال سعودي. ها دوك سلاسي احمر هذا الاخير. اي اخر اجازي اجازي هذا كلام اجازي 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 هذا مال سعودي اجازي سعودي. دوك سيلا لا لو ديرني لا لو ديرني سيلا سافين سعودي اي في 5500 درهم اون دير ان بوف هذا 4 في ستري 4800 والله صح. والله انت ما في زياده بروفيت ربحنا ما شاء الله. جميل جميل جميل. ولا دوك لا سي دي سي دي سي دي سي ان فاريتي دو موتون كي ريسامبل ا دي بوف سبحان الله. ولا اي سي دو ولا يا لي بري ديفيرج بار رابور او كيلو. دوك لا سي ان كومون ابل سا ان موتون كي فيان سومالي. دوك اي ديس كو سي دي موتون كي سي تروف با ترو ايسي دوك سي ان بو بلو رار. Ils sont petits, mais le prix est cher quand même. C'est 1200 dirhams. Alpha Meten dirham. Hada Somali. Wa Somali la hen ma yji huna. Bas qalil jiddan. Non, mashallah. Walakin lahm jamil. Oh, là ça me rappelle les moutons français. Oh, tout petit mignon. Mashallah. Salam alaykoum al ikhwa. Kayf antum? Alhamdulillah, nahnu ji'na min France. والآن الفرنسيين يريدون أن يعرفون الأزهار وكل شيء. ما اسمك أخي الكريم؟ أنا اسم سليمان. سليمان ما شاء الله من أي بلد؟ نعم باكستان. أيوة باكستان. باكستان ما شاء الله. وأنت تليم أخي أنت اسمه اسم الكريم؟ فاروق ما شاء الله. فاروق ما اسم هذا الأنواع هذا من باكستان هذا؟ سوري. واسم نيم نعم هذا؟ نعم سوري تيس سوري تيس سوري. donc voilà c'est on appelle ça le تيس سوري. ok ما شاء الله. وكم فلوس هذا مثلا؟ نمونا موجود رخيص في والرخيص كم الرخيص؟ 700 كبير 1200 ok من 700 الى 1200 يعني ما شاء الله. Et ce qu'il faut retenir en fait, c'est que les prix varient. Vraiment, il y en a pour tous les budgets. Les prix varient. Min kam ila kam, Mohamed. Donc, hatta 7000 waqala. Non. Ça? Subhanallah. Ok. Ouais. Donc, on a vraiment ça part de. Salam alaikum al ikhwa. Kayf halukum? Alhamdulillah. On a vraiment des bêtes qui viennent de partout et vous avez la possibilité de selon votre budget d'acheter ce qui vous correspond le mieux. En tout cas, il y a des bêtes ça part de 500 dirhams jusqu'à 5000, 7000 dirhams. On va voir un peu, j'ai essayé de filmer un peu quelques bêtes de différents stands. Donc les prix varient selon les jours. Hada awwal youm yakun aghla min Rally. Ok. Donc le premier jour en fait, ça c'est un peu plus cher hein, le premier jour c'est un peu plus cher et tout ça. Ensuite le deuxième jour, le troisième jour. Moi bon, ce que les frères disent, est-ce que moi j'ai l'habitude de sacrifier le jour de l'Aïd directement. Moi j'aime bien. Mais celui qui veut vraiment pas être dans le zahm et dans le zahm, il y a possibilité en tout cas de sacrifier le deuxième et le troisième jour. Nam. Ouais ça. Hein? باكسايد من اي طريق هذه تال اوكي انا اوكي شكرا صديق. اوكي دونك لا اون فالي ان بو اون ايسي دو فوار لا او است كو اون ايغورج داكور اون فا فوار او است كو اون ايغورج اينا هكذا ولكن في شط اوكي بلديه.
Donc voilà, en tout cas ici autour de Souk Djoubeil, vous avez la possibilité de sacrifier les bêtes. On va essayer de filmer le côté là où on fait les sacrifices. Je pense que c'est derrière. Pour que tout est mis à disposition. Vous venez, vous achetez votre mouton et vous le ramenez dans l'abattoir. On le sacrifie devant vous et voilà. D'accord. Il a le marché. Ou comment t'as fait? Environ 50. Ok. Donc là, c'est toutes les camionnettes quand vous choisissez votre bête. Ok, ok. Ça n'a pas. On va demander au chauffeur. Salam alaikum, Sadiq. Salam alaikum. أنت كم الحمل خروف؟ الحمل من هنا إلى عجمان مثلاً كم؟ ليس عجمان. كم سعر أنت يتباع هنا؟ كم حمل أنت كم حمل؟ وين نعم؟ كم درهم أنت كم فلوس؟ أنت ذو كم بس؟ أنت تودي مجاناً. Voilà, donc là on est un peu dans le souk Djoubeil, on est en train de rôder, donc on a été un peu visiter voir les moutons, les différents types de moutons qu'on avait. Moi j'ai vraiment vu des moutons que j'avais jamais vu de ma vie. Subhanallah, et les prix, comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, il y a vraiment pour tous les budgets. Et donc là on va aller là où on tue les moutons, donc à l'abattoir. On fait une petite vidéo là-bas pour vous montrer comment ça marche. والحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق واجتبانا. Donc voilà. Maintenant on va faire un tour à l'abattoir de Sharjah. Donc c'est juste adossé à la ferme. Donc c'est le Sharjah municipalité centrale Slaughterhouse. D'accord? Donc bon, avant de rentrer dans le détail de comment se fait l'abattage, on fait un petit résumé sur tout ce qu'on a vu. Donc on a vu qu'il y avait différentes races de moutons, donc des moutons du Pakistan, des moutons d'Inde, et on a vu que les moins chers c'était les moutons qui venaient d'Inde, donc il faut compter entre 500 et 800 dirhams, donc soit 120 et 190 euros, selon la taille de la bête et le poids. Ensuite, on a d'autres moutons, par exemple, des moutons australiens, mais on n'en a pas vu aujourd'hui, mais on pouvait en trouver dans d'autres abattoirs. On a d'autres bêtes qui sont un peu plus rares, comme les moutons de Somalie ou d'Iran, et qu'il faut compter à peu près 1500 dirhams, après 360 euros. On a les moutons syriens qui sont vraiment très appréciés pour leur goût et qu'on peut trouver entre 1500 et 2000 dirhams, c'est-à-dire à peu près 360 80 ou 490 euros. Voilà. Les prix aussi, ça varie en fonction aussi du facteur temps. On a dit tout à l'heure que on pouvait très bien acheter le jour de l'Aïd ou le lendemain ou le surlendemain. Donc voilà, si vous venez le premier jour, c'est sûr que le jour même de l'Aïd, c'est sûr que vous payerez plus cher. Et donc voilà, et les prix à l'approche de l'Aïd augmentent et après le premier jour de l'Aïd rechutent. Voilà. La particularité, c'est que de toute façon, la porte à la négociation est toujours ouverte. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, concernant le sacrifice, on a dit qu'il fallait faire à l'abattoir. Donc là, je vais vous partager quelques images de l'abattoir de Sharjah. Vraiment, les autorités, que ce soit à Sharjah ou à Dubaï, en fait, ils ont des abattoirs vraiment organisés et le coût est vraiment très peu cher. Et ça, c'est quand même une ni'ma parce qu'on peut égorger pour à peu près 22 dirhams. Égorgé plus découpé, donc vous imaginez, ça à peine 5-6 euros, voilà. Et donc voilà, par rapport, on avait dit que pour ce qui est l'égorgement à la maison, les gens ne font pas trop, peut-être les ceux qui ont des villas, mais en général, donc c'est interdit ici aux Émirats. Pourquoi? Parce que il y a tellement de monde et les gens vivent dans des appartements et en fait, ce serait un peu au niveau hygiène et sécurité. C'est voilà, ils sont très stricts sur l'abattage et le respect des pratiques. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par des slaughterhouse, c'est-à-dire des abattoirs agréés. Donc voilà. Et donc comment ça marche? Il faut aller directement à l'abattoir public, donc là celle qui est juste à côté de la ferme, voilà. Et donc vous avez fait le choix de la bête, vous venez, vous prenez comme on a dit tout à l'heure, les camionnettes
qui sont normalement associés à chaque stand, et donc c'est gratuit. La camionnette vous ramène le mouton jusqu'à l'abattoir, et ensuite vous faites couper, découper gigot, collier, etc. Et voilà. Et donc, on fait tout ça pour vous, participer bien sûr au process. Après, je ne sais pas si vous pouvez demander d'égorger, parce qu'il y en a qui veulent égorger eux-mêmes, et je pense que ça doit être possible. Allahu alam, il faudrait demander. Donc voilà, l'abattage, on a dit, par exemple à Dubaï, ça coûte à peu près 15 dirhams pour une chèvre, donc après 3,70 €. Ça coûte entre 45 et 54 dirhams pour une vache. Et donc, pour un chameau, ça coûte entre 60 et 65 dirhams. Donc ça, c'est les prix varient selon la bête et selon l'émirat. Voilà. Donc, pendant toute la période de l'Aïd, les abattoirs sont ouverts en général de 7h30 jusqu'à 16h. Là, on voit qu'à Sharjah, ils sont ouverts. Ils ont vraiment une plage horaire très large, voilà. Et vous avez certaines adresses que je vais peut-être partager dans les commentaires, Inch'Allah, sur lesquelles vous pourrez vous référer ou aller, notamment sur Al-Khawz, Hatta, Dubaï, voilà. Il y a plusieurs endroits aux Émirats où vous pouvez vous référer pour le sacrifice de votre mouton. Jazakumullah khairan pour avoir été à l'écoute. Et je vous dis, Inch'Allah, je vous souhaite à tous une bonne fête de l'Aïd. Et on se dit à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى